Hey, salut à tous, donc c'est Osuke, donc on revend Kingdom Hearts 2. Donc on avait récupéré Sora, donc le personnage principal du jeu, avec Donald et Dingo. Donc là on peut dire officiellement que le jeu il a vraiment commencé, hein. Même si on est encore un peu dans la phase tuto, il y a juste encore quelques trucs qu'on va apprendre. Mais bon, le jeu il a vraiment commencé quoi. L'intro avec Roxas c'est très longue. Enfin, moi j'aime bien au niveau scénario, encore qu'il y a quelques parties qui sont pas intéressantes. Mais il faut avouer que c'est quand même vachement long pour un prologue. Bref, cinématique, je ferme ma gueule. Pas. Ok, donc ce combat on n'est pas du tout obligé de le gagner, mais si vous êtes si vous jouez normalement, je vous conseille d'essayer de tuer le plus de simili possible. Mais là je vais essayer de faire en sorte qu'il me tue pour aller un peu plus vite parce que ça sert à rien. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'y aller ce combat. Dans le train et quittez la ville. Il vous mènera là où il faut. Tenez. Le roi. Est-ce que c'était vraiment lui? Comment tu en doutes? Mais moi je sais que c'était lui. Mais le roi était enfermé dans le domaine des ténèbres, non? Oui. Mais pourtant, on vient de le voir. Ouais. Et si le roi est là, ça veut dire que Riku est là aussi? Oui. Alors, je pars à sa recherche. Pour qu'on puisse retourner sur l'île ensemble. Kairi nous y attend. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Oh. Allons, Sora, c'est pourtant évident. Vos têtes. Alors en route, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Pour où déjà? Il faut qu'on prenne le train. Ah oui. Venez. Bon, les rapports d'Anselme, je les lirai pas, c'est trop long. Mais il y a ça contient des trucs intéressants. Ah, ça continue. Attendez! Hein? Dis, Sora. Quoi? Rien, mais on est venu vous dire au revoir. On s'est dit que ce serait plus sympa. Oh, c'est vrai? Merci. Dépêchez-vous de prendre vos billets. Oui. Ce sont les mêmes. Oui. Trois billets, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression qu'on ne reverra jamais cette vie.
pense pas des choses comme ça. Ouais, t'as raison. Bref, donc on va récupérer les coffres ici. C'est bien que tu vois les coffres en cinématique, tu sais déjà ce qu'il faut que tu ailles récupérer. Alors, on a une potion plus. Oui, oui, ce jeu n'est des fois pas du tout à prendre au sérieux. Hein. C'est... Ah, il y a des persos de Disney dedans. Hein. Faut bien l'avouer, des fois c'est un peu gamin. Mais il y a quand même des bons moments dans ce jeu. On va y prendre le train, on va perdre une minute. Ok. Allez. Allez, en route. Au revoir. Hé, hey, Sora, t'es sûr qu'on s'est jamais rencontrés? Certain. Pourquoi? Ah, oh, pour rien. Ça va? Oui. Oui, je sais pas ce qui m'arrive. Remets-toi. À bientôt. Vous savez, je suis triste. Oui, nous retournerons rendre visite à Heiner et ses amis. Le train transdimensionnel. Je sais pas pourquoi ça me rappelle quelque chose. Ah. Ah, je sais pas. Non. Ah oui, donc là il n'y a pas de doublage parce que c'est une cinématique qui était exclue chez la version Final Mix. Ah, c'est pas moi qui passe les dialogues. Hein. Je suis désolé si vous n'avez pas le temps de lire. Oui, alors ça sera pas Chill of Mori, le manoir Oblivion.
Bien. Du coup, nous voici dans cette tour très mystérieuse. Et voilà, il est parti. Ouais, pas de retour en arrière. Bref, donc, on va récupérer les coffres. Ah merde, je vais pas te parler. Potion. Potion plus. Éther. Les éthers, ça va être très utile plus tard. Ah, et là, c'est cinématique, je peux pas aller. J'ai envoyé quelques-uns de mes serviteurs à l'intérieur pour voir si le maître de cette tour est aussi puissant qu'on le dit. La rumeur raconte que c'est un redoutable sorcier. Si c'est le cas, je le veux comme garde du corps. Quand j'aurai fait de lui un sans-cœur, il m'obéira au doigt et à l'œil. Exactement. C'est joli que des créatures qui surgissent des ténèbres pour s'emparer du cœur des gens. Et grâce au sang-cœur, cette chair maléfique va pouvoir conquérir tout l'univers. En fait, j'ai comme une dette envers elle. Je passe de monde en monde pour lui créer une belle petite armée de sang-cœur. C'est un sacré boulot. Mais pourquoi je m'embête à vous parler? Allez, du balai! Je suis déjà assez en retard comme ça. Et t'étais où dans Kinars 1? Y'a rien dû à faire. Qu'est-ce que tu dis? C'est vous. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Vous le connaissez? Et comment? Pat nous crée des ennuis depuis si longtemps. Sa Majesté l'avait banni dans une autre dimension il y a longtemps. Je me demande comment il s'est échappé. Tu voudrais bien le savoir, hein? C'est Maléfique qui m'a libéré, tout simplement. Et maintenant votre monde, non, et tous les mondes seront à moi, rien qu'à moi. Maléfique va m'aider à les conquérir. Maléfique, tu dis? Qu'est-ce qui vous fait rire? Le pouvoir de Maléfique est le plus grand de tous. Plus maintenant. Hein? Eh oui, Maléfique ne pourra pas t'aider. Que dis-tu? Non, c'est encore un de vos sales coups. Ouais, ça se pourrait qu'on y soit pour quelque chose. Soldat sans cœur, à l'attaque! Ah, selon les codés, par contre. Je crois que même ce combat-là, on n'est pas obligé de le gagner. Voilà. Attendez un peu. Vous allez voir ce qu'il en coûte de chauffer les oreilles du puissant Pat. Au fait, puissant Pat, qui vit dans cette tour? Vous ne savez pas. Mais c'est le vieux Yensid. Mais à présent, il doit déjà être sans cœur. Le méchant qui a révélé son plan. Cliché. Oh, allez, Donald, depuis Birth by Sleep, tu sais qui c'est qui l'habite ici, Yensid. C'est le professeur du roi. Waouh, il doit être puissant. Non, mais c'est là qu'en fait, que tu vois que quand il a fait Knarrs Birth by Sleep,
Le mec ne savait même plus ce qu'il avait fait dans Kingdom Hearts 2. Tu m'étonnes que l'histoire est aussi confuse. Le mec qui l'a créé ne sait lui-même pas où ça va. Bon, alors je peux pas aller là-bas. Donc on va monter. Moi je vais pas m'embêter avec les ennemis là, ça sert à rien de les affronter. De toute façon, je suis niveau 1 et je vais rester niveau 1. Pas besoin de prendre de l'XP. Là par contre, c'est un combat obligatoire. Ces ombres qui sont chiantes à rentrer tout le temps dans le sol. Voilà. Oh, c'est vraiment tout seul truc chiant avec ces ombres. Hein. C'est rentrer dans le sol. Ok, donc on continue. Ah, continue à les ignorer. Voilà. Alors là, je vais essayer d'éliminer le soldat au milieu là. Parce qu'il est très chiant. Mais il a surtout une attaque qui peut faire chier. Ok, ça c'était une réaction. Hein? Faites gaffe à la réaction parce que sinon vous allez prendre plein de dégâts. Pff, cette pause quoi. La pause du winner. C'est une chance que nous soyons là alors. Ça veut dire que les mondes sont toujours en danger. Bref, continuons. Alors, que bon. Ouais. Bon, il n'y a même pas d'ennemis que dalle. Ouais. Tu peux me rapporter un truc. Ouais, je peux faire chier. Ça sert à rien que je débatte. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est le magicien dans Fantasia. Salut. Ainsi, tu es le fameux Sora. Eh bien, avez-vous pu voir le roi? Oui, maître, mais nous n'avons pas eu l'occasion de lui parler. Je vois. Le roi est très occupé ces temps-ci. Par conséquent, c'est à moi que revient la tâche de vous annoncer ce que l'avenir réserve à votre inséparable trio. Vous allez devoir effectuer un périlleux voyage. Vous devez être bien préparé. Comment ça? On doit partir pour une autre quête? Je comptais plutôt aller chercher mon ami Riku, afin de le ramener sur notre île. Oui, je sais. Mais sache, Sora, que tous les événements de ton périple sont liés. Que tu retrouves le chemin de l'île. Tout est lié. Que tu y retournes seul. Ou avec ton ami. Et que ton cher foyer existe toujours. Ou non. La clé qui relie ces éventualités, c'est toi, Sora. Je suis la clé ? T'avais pas encore compris depuis le temps. Sora, l'élu de la Keyblade. Tu es la clé qui
qui ouvrira la porte de la lumière. Ce précieux livre contient des informations nécessaires à votre quête. Étudiez-le attentivement. Lorsque vous aurez terminé, je vous parlerai des ennemis qui se dresseront sûrement sur votre route. Ouais, en fait, non, c'est de la connerie. C'est de la connerie parce que ce livre, j'ai jamais rien compris ce qu'il dit, mais bon. On va pas perdre notre temps à le lire, on va te parler directement. Allez, non, c'est bon. Maître, dites-nous, pourquoi y a-t-il encore tant de sang-cœur ? Vos actions passées ont permis de grandement limiter l'apparition des sang-cœurs en empêchant qu'ils ne s'échappent des ténèbres. Nous vous en sommes très reconnaissants. Toutefois, ces créatures sont l'incarnation du mal, et celui-ci n'a pas entièrement disparu du cœur des gens. Il ne disparaîtra jamais. Si les sang-cœurs sont moins nombreux, ils ne peuvent être totalement éliminés tant qu'une trace de ténèbres subsiste dans un cœur. Mais alors, ça veut dire que si la lumière emplissait le cœur de tous, les sang-cœurs disparaîtraient? Oui, mais il est temps d'évoquer les différents types d'ennemis que vous allez affronter. Prenons un exemple. Si toi, Donald, tu cédais aux ténèbres qui sont en toi, tu deviendrais un sang-cœur, exactement comme cette créature. Mais vous le savez déjà. Les sang-cœurs n'ont de cesse de s'emparer de nouveaux cœurs. Soyez toujours sur vos gardes. Maintenant, parlons de choses inédites. Chaque individu, qu'il soit bon ou mauvais, peut être transformé en sang-cœur. Toutefois, si sa personnalité est particulièrement forte et combative, son ancien corps ne disparaît pas entièrement. En plus du petit sang-cœur noir, la victime laisse derrière elle une coquille vide, la matérialisation de son esprit anéanti. Cette copie d'être humain se nomme Simili, mais en réalité, elle n'existe pas vraiment. Les Simili semblent obéir à des émotions, mais ce n'est qu'un leurre, car ils sont dénués de cœur. Dream of distance. Les Simili n'existent pas. Oui, c'est pour ça que tu peux les taper et qu'ils te font des dégâts. À présent, logique. Observez les êtres. Il s'agit de reflets. Ce sont les simili que l'on rencontre le plus fréquemment. Mais il en existe d'autres, plus grands, dotés de pouvoirs uniques et redoutables. Soyez vigilants. Pendant votre quête, vous rencontrerez un grand nombre de reflets. Ils tenteront de vous éliminer. Ce ne sont que des carapaces vides, destinées à retourner au néant. Mais... les êtres mystérieux que vous voyez maintenant sont différents. Ces puissants simili ont formé un groupe appelé l'Organisation 13 qui dirige les simili subalternes. L'Organisation 13. Alors que les primitifs sans cœur sont mus par l'instinct, les simili sont capables de penser et de s'organiser. Il est maintenant clair qu'ils ont un objectif précis. Mais nous ignorons la nature de ce but. Le roi a perçu ce danger et a décidé de partir le combat.
Il a trouvé la Keyblade du domaine des ténèbres, et avec, en a scellé la porte. Désormais, il passe de monde en monde, affrontant les senteurs et cherchant à élucider l'énigme des Sénidis et de l'organisation. Alors nous devons retrouver et aider le roi. On ne le saura pas tant qu'on n'aura pas cherché. Oui, le roi sait sûrement où se trouve Riku, puisqu'ils étaient ensemble dans le monde des ténèbres lorsque nous avons fermé la porte, après la défaite d'Ansem. Bon, avant de partir, va donc choisir des vêtements de voyage plus appropriés. Ceux-ci ont l'air un peu trop petits. C'est clair. Va voir les trois bonnes fées et demande-leur de te créer une tenue adéquate. Ça, alors c'est vrai que tu as grandi, Thora. Peut-être. Ok. Et directement. Je sais pas comment ils se sont mis à sauter comme sans raison, comme ça. Il y a beaucoup de cul-de-scène, hein. Beaucoup de cinématiques, je suis désolé. Avec vous deux, Riku, le roi et moi, l'organisation 13 n'a qu'à bien se tenir. Quel que soit leur but, à nous cinq, enfin je veux dire, à nous six, on n'a aucun souci à se faire, pas vrai? Ouais, alors ces miroirs, en fait, vous donnent des indices sur les différents trucs que vous pouvez obtenir, je dirais pas plus. On va voir ça tout de suite. Tiens, mais regardez qui voilà. Thora, Donald et Dingo. Oh, tu veux des vêtements? Tu as frappé à la bonne porte. Je m'occupe de la coupe. Oh non, ça ne va pas du tout. La belle au bois dormant. Allons, allons, achète. Ce ne serait pas mieux comme ça. C'est affreux. Tu crois vraiment? Oh, le pauvre Thora. Exactement. Il a raison. Allez, les dames, ensemble. Et plus de chamaillerie. Ah, maintenant on cause. Eh bien, c'est magnifique. Tout à fait. Oh, quel fringant garçon maintenant. Attention, ces vêtements ne sont pas ordinaires. Possède des pouvoirs particuliers. Prends cette sphère. Et regarde ce qui se passe. J'aime bien qu'ils disent ça. D'autres pouvoirs. Mais tu devras les découvrir toi-même au cours de ton voyage. Ok, je ferai de mon mieux. Merci pour tout. Oh, il y a autre chose pour vous de la part de Yens. J'aime bien qu'ils disent que la quête va être deux fois plus ardue, alors qu'en réalité, si tu joues au jeu normalement, elle est plus facile que Kingdom Hearts 1. Sauf les boss optionnels. Un passage incohérence parce que ça nous a montré la fusion avec Dingo, mais Dingo était encore là. Bon, alors la fusion, comment ça fonctionne? C'est simple, vous avez cette jauge là, jauge de flux. Là, elle est à 3. Vous faites fusion et vous pouvez fusionner. Tout simplement. Enfin, pour faire la fusion vaillance, qui est la seule que j'ai là, il faut qu'il y ait Dingo dans l'équipe.
On aura d'autres fusions après, d'ailleurs vous pouvez le voir avec ça. Hein. En fait, ces miroirs vous donnent des indices sur les fusions que vous allez avoir plus tard dans le jeu. Donc il va y en avoir 6 dans la version FireMix. Enfin 5 et une sixième qui est un peu spéciale, on en reparlera. Alors en parlant des nouveautés Final Mix. Ça c'est une scène aussi exclusive, pour une quête annexe en fait. Une pièce de puzzle, on trouve des pièces à peu près partout dans les mondes, blablabla. Ouais, en gros c'est simple, vous allez dans... Oui, non mais merci, je sais comment... Dans le carnet. Vous allez là. Puzzle. Voilà. Voilà. Et en fait, on va devoir reconstruire les artworks de Kingdom Hearts 2 avec ça. Mais ça, on en fera dans un autre épisode. Ah oui, du coup voilà, la compétence, la fusion a ses propres compétences, en plus des compétences de Sora. Donc ça c'est bien. Allez, on est parti. Moi je suis pressé de jouer, alors s'il vous plaît. Tous les mondes sont maintenant revenus à leur état d'origine. Cela signifie que les passerelles qui les reliaient ont disparu. Comment va-t-on se déplacer? Ne craignez rien. Si ce que le roi soupçonnait se révèle exact, de nouvelles passerelles sont apparues. Vous pourrez les emprunter. Mais pour cela... Il vous faudra d'abord débloquer certains verrous célestes. Malheureusement, je ne saurais vous dire comment faire pour ouvrir ces accès. Quoi qu'il en soit, la Keyblade vous servira de guide. Si un rayon de lumière s'en échappe, retournez au vaisseau Kumi. Bien que les mondes paraissent éloignés... C'est Gumi ou Gumi, j'ai jamais compris. ...connecté par des liens invisibles. Il en va de même pour nos cœurs. Nos cœurs sont connectés. En effet. Compris. C'est ce que t'as dit en SEM dans classe 1. Attention. Tandis que vous avancerez, les 100 cœurs et les 6000 emprunteront leur propre route, les couloirs des ténèbres, pour passer de monde en monde. Ils tenteront sans doute de relier leurs chemins obscurs aux accès entre chaque monde. Voilà. Je vous ai dit tout ce que je savais sur votre prochaine aventure. Partez à présent, Sora, Donald et Dingo. De nombreux mondes vous attendent. D'accord. Allez, en route. Merci de tout cœur pour votre aide. Je veux dire, pourquoi ils vont par là alors que le vaisseau il est juste à la fenêtre, mais bon. Bonté divine, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette robe. C'est exact, mais à qui était-elle? Oh, Malep. Non, nous ne devons pas prononcer son nom, oh ciel.
cette affreuse et malfaisante sorcière. Malheur! Les souvenirs reviennent. Qu'allons-nous faire? Oh, que pouvons-nous faire? Nous devrions avertir Yensid. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Vite! Maléfique! Jamais compris comment a marché sa résurrection, mais bon. Oh, ils ont mis les voix anglaises pour celui-là, ils ont oublié de mettre les voix françaises. D'accord, ils ont oublié de mettre les voix françaises pour les vaisseaux Gumi. Pas grave. Alors, comment on fait? Ah oui. Voilà. Bref, donc on va s'arrêter là. On fera ce monde, donc la forteresse oubliée que les fans de Knarf 1 connaissent la prochaine fois. Du coup, on peut sauvegarder comme ça. Voilà. Et donc, je vous dis à la prochaine. Salut !